Natasha Kwan, y vivre devient de plus en plus difficile, surtout pour les jeunes. Les galets, c'est des vieilles bâtisses, autrefois si grouillantes d'activité. La morue, elle est partie année après année. Comme les vieux disaient, elle manque la boîte. Le goémon, on s'en sert peu aujourd'hui pour engraisser les jardins. Les bottes, il n'y en a plus. Pas de pêche, pas de bottes. Autant de mots, donc, qui nous rappellent le passé. Je me suis levé de bonne heure pour marcher au galet. Le matin est très calme, ça me rappelle le passé. Ce chemin-là, je l'ai fait plutôt 100 000 fois qu'une. Parfois pour rendre service, d'autres fois pour m'amuser. Pas donc voir s'il n'y a pas 2-3 anguilles à prendre. Ça serait bon, tu penses pas, pour nous faire attirer. Pareil qu'hier au soir, le caplan a roulé. Va voir au bord de la côte s'il n'y en est pas resté. Va donc dire à ton nom qu'on vient de voir entrer. S'il a de belles morues, t'en sauver une ou deux. Va donc voir si Edgar a pas du saumon frais. J'en prendrai 5-6 livres pour demain vendredi. Goémon s'est tassé dans l'anse de chez Polyte. Je fais le grand détour, déteste marcher là-dedans. Il fait beau aujourd'hui, c'est le temps de se baigner. On s'en va pique-niquer, une fois de plus au galet. La marée est fine basse, tous les bottes sont cantées. Ça sera pas une traînerie, prends une course au galet. Voilà quelques souvenirs qui sortent du passé. Pour moi c'était très beau, ça l'est toujours autant.